dans les séries américaines, les films et tout, quand elles sortent de boîte, les filles, elles sont fraîches, pas bourrées, pas crevées. Bonsoir. Oui, il est 5 heures. Que toi, dans la vraie vie, déjà, t'as les talons à la main. T'as le noir qui a coulé, on dirait un panda. Et t'as encore perdu un truc. Non, mais c'est vrai, les filles, ça perd toujours un truc. Au mieux, ton portable. Au pire, ta dignité. Non, le retour à la maison est toujours un petit peu pathétique. Les Américains appellent ça « the walk of shame ». Le retour de la honte. Vous voyez, c'est quand les gens qui se couchent croisent ceux qui se lèvent. Vous voyez ce moment charnière. Tu connais pas les gens, mais tu sais qu'ils savent. Et tu te dis, pourvu que je croise personne, pourvu que je croise personne que je connais. Oh, Caro! Comment tu vas? Ça va? Tu pars faire un jogging? Ah ouais. Moi, j'en viens. Mais voilà, je vais pas tarder des masses, hein. Parce qu'il faut que j'aille faire mes étirements, toi. Là-bas, je vais les faire là-bas. Tu es vachement crédible avec ta vodka Red Bull à la main, hein. Parce que tu le sais pas, mais tu es encore sur le dos du videur. T'es comme... On s'appelle, Caro? Alors, tu rentres chez toi, seule, bizarrement, triste, un tantinet humilié, et tu as une vraie raison de te dire « I'm a single lady. I'm a single lady. I'm a single lady. » Vous avez vu l'oiseau? Énorme ou pas? J'ai fait que... Oh, j'adore. Ça va, je fais ce que je peux. Attendez, personne n'est parfait. Hein. Si, en même temps, je dis une connerie parce que ça existe, les gens parfaits. Alors, j'en vois pas là tout de suite, hein. Mais je sais que ça existe. Et souvent, tu les détestes, ces gens d'ailleurs. Enfin, moi, je les déteste. Mon frère et sa femme, par exemple. Oui, parce que ma belle-sœur Clotilde, déjà, bref. Est-ce qu'on appelle communément la femme parfaite? Il y a des gens comme ça. On dirait qu'ils existent juste pour te rappeler à quel point ta vie est de la merde. Et quand tu leur parles, tu as toi-même l'impression d'être une merde. C'est rigolo, c'est cocasse. Donc moi, j'ai eu la chance d'aller dîner chez eux vendredi dernier. J'étais convoquée... Non, ben pour l'apéritif, hein, 17h30. Oui, puis alors elle nous avait préparé un petit punch sans alcool, parce qu'elle n'était pas sûre que je buvais. La connasse. Ça va, elle sait très bien que je bois. Tout le monde sait très bien que je bois. Oh, puis elle nous avait préparé aussi des petites mignardises. Mais vraiment petite. Qu'est-ce que c'est, ça, Clotilde? Donc ça, c'est une petite quiche. Merci. Et ça? Ça, c'est une petite pizza. D'accord, c'est mignon. Et ça, c'est quoi? C'est une miette, ça, pardon. Excuse-moi. Attends pour moi. Attention, Anne-Sophie, tu vas te couper l'appétit. Ça risque rien. Non, puis alors à table, c'était pire, parce qu'elle avait sorti le service. Ça va, c'est joli, mais chez moi, j'ai pas deux verres pareils. Chez moi, tu dois choisir entre Goldorak et Boule et Bill. C'est une vanne qui a cartonné à Dijon. C'est... Je sais pas. Je... Oh, je suis pas sûre. J'hésite encore.